Salut, salut! Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour le concours de Noël. Donc, comme chaque année, c'est une des vidéos que je préfère tourner. C'est le concours de Noël, comme ça je peux enfin vous gâter. Pas tous, malheureusement. J'aimerais pouvoir faire un lot pour chacun. Mais je ne peux pas. Voilà. Donc, ça sera de l'eau, comme d'habitude. Il y a des produits identiques. Il y en a qui sont différents. Il y a des produits que j'ai achetés. Il y a des produits que j'ai eu gratuits. Enfin, voilà. Je vous dirai tout au moment opportun. Avant de passer au dévoilage, dévoilement, dévoilage, c'est plus classe, non? Avant que je vous montre les lots, on va parler des conditions. Donc, c'est pas bien compliqué. Il suffit d'être abonné à ma chaîne, bien évidemment. Je fais ça pour mes abonnés, hein. De liker cette vidéo et de la partager, si possible, sur vos réseaux. Voilà, vous avez en dessous partager et vous avez plein de fonctions. Soyez sur Facebook, enfin, partagez-la où vous pouvez, mais essayez de la partager au maximum. Il faut remplir le formulaire, le Google Form qui est en barre d'infos comme chaque année, voilà. Et mettez-moi des Papa Noël en commentaire. Voilà. Ne mettez pas des jeux participent et compagnie, sinon le concours risque de sauter, mais mettez-moi un max de Papa Noël. Voilà. Donc il y a deux lots, mais ils seront envoyés au pif. Voilà, d'habitude je vous laisse choisir, mais ça peut être un peu dangereux si les deux tirages au sort, la personne a voulu le même et tout ça. Donc là, j'enverrai au pif. Voilà, j'imprimerai les étiquettes, j'imprimerai les lots, j'imprimerai les étiquettes, je les colle dessus et on verra qui aura quoi. C'est bien sûr en Mondial Relais uniquement, hein, parce que je dois les envoyer par mes propres moyens et Mondial Relais reste quand même moins cher que la poste belge, n'est-ce pas? Puisque si je dois l'envoyer en France, même que je peux passer par la France, c'est quand même coton. Donc, ça sera par Mondial Relais pour la France métropolitaine, la Belgique et le Luxembourg. Désolée Marilyn, qui habite en Suisse. Il est ouvert jusqu'au 24/12, comme ça, ça fait du 4 au 24. À 23h59, et je préviendrai le ou la gagnante, enfin, je préfère les gagnants ou les gagnantes, les gagnants, par mail, directement via le formulaire. Il y aura, comme d'habitude, des participations bonus planquées dans les autres vidéos du calendrier de l'Avent. Je vais juste changer un peu par rapport à l'année dernière, vous verrez. Dans la première, le premier bonus, voilà. Et ils seront actifs que pendant 24 heures, parce que sinon, c'est tout un bordel. Quoique non, vu que là, ça sera par... non, j'ai rien dit. De ce côté-là, j'ai rien dit. Donc, vous aurez des bonus par-ci, par-là, dans les autres vidéos du calendrier de l'avant. Voilà. Donc, n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour avoir les notifications des vidéos. De toute façon, elles sortent tous les jours à 17h30. On va commencer par le lot numéro 1. Donc, Genox qui m'a gentiment envoyé un parfum en 30 ml pour vous. Voilà, j'ai pris le 458 qui est le dupe de l'Olympia parce que c'est le parfum que je préfère. Et le Nox sent exactement la même chose. Il tient aussi bien. Enfin, franchement, très belle découverte, Nox. Donc, merci d'avoir participé à ce concours de Noël. Donc, il y a un parfum dupe de l'Olympia de chez Nox. Bien sûr, comme je vous mets des choses que j'aime, que j'ai découvert au long de l'année et tout ça, je vous ai mis des mèches colorées. Donc, j'en ai mis deux pour que ce soit symétrique. Ici, c'est des oranges. Voilà. Le Wonder Balm de chez Action. Donc, ici, c'est pour... c'est celui à la pêche. Ah non, c'est celui à l'aloe vera. J'ai rien dit, c'est celui à l'aloe vera. Voilà, donc très utile, hein. C'est pour la peau, les lèvres, les ongles, les cuticules. Moi, je l'utilise à peu près pour tout. Une petite pince à cheveux. Voilà. Je vous mets une crème... attendez, comment ça s'appelle? Body Cream au Ritual of Sakura de chez Rituals, qui est une gamme que j'ai découverte cette année et que j'aime énormément. Une huile démaquillante de chez Primark. Voilà, moi, je l'ai testée. Elle me pique les yeux, mais vous m'en direz des nouvelles. J'avais acheté 3 bidons, un pour moi et un pour les lots des concours, c'est 150 ml.
C'est une huile comme la Nivea qui se transforme en lait. Et vous savez à quel point j'aime la Nivea. Je pensais trouver aussi bien, mais non. Je vous mets un mini savon Pierce Vintage. Voilà, si vous ne l'utilisez pas pour faire les soap bro, ça peut servir pour laver vos pinceaux. Vous lavez la face, hein, puisqu'il y a de la glycérine dedans, donc c'est hydratant. Vous lavez les mains, enfin voilà, c'est une savonnette, c'est pas perdu, même si vous ne faites pas les soap bro. Un petit disque démaquillant comme ceci. Je vous mets également quelque chose que moi j'adore, c'est un lot de water décal. Voilà, vous savez à quel point j'adore ça. Des stickers flammes pour les ongles. Alors, un petit feutre râteau comme ça de chez Essence pour les sourcils. Il y a le fameux rouge à lèvres qui m'a ruiné de GW7. Voilà, c'est le même que moi, donc suffit d'aller voir mes vidéos. Un mini rouge à lèvres de chez H&M. Je vous ai mis un 4 size, un vernis 4 size de chez Elite 99 avec l'aimant. Voilà, donc c'est du VSP. Hop, il est là. C'est du VSP. Voilà. N'oubliez pas qu'il faut la lampe UV pour le vernir, pour le faire tenir, le faire durcir, le cuire, quoi. Voilà. Je vous mets des boucles d'oreilles que j'avais eues dans un concours que moi, je n'utilise pas. Et je vous ai fait un petit bracelet. Donc, je l'ai fait moi-même avec une petite breloque couronne. Voilà, la famille royale s'agrandit. Une de mes plus belles découvertes, je vous mets la houppette Linda Alberg, ma petite chouchoute. Pareil pour les éponges Friends de chez Révolution, que j'adore. Une paire de Fossil Body Shop, obligée. Ici, c'est les Stacy. Le goupillon de chez Révolution, que moi, j'utilise pour faire mes soap bro. Donc, si vous ne faites pas le soap bro, ça fonctionne quand même, hein. Mais voilà, je place mon savon avec le côté spoolie et je les plaque avec le plat de la brosse et je les recoiffe après avec le petit peigne, la petite brosse en poil dur. Et c'est génial. Du coup, comme je m'étais fait avoir en commandant ceci, je vous en mets un dans le truc. Si vous avez des mecs, ils seront contents peut-être de se coiffer les cheveux en vert pour les fêtes, Halloween ou des trucs comme ça. Un mini spoolie de chez BTP. Encore un grand chouchou, le lip mask à la fraise de chez W7. Je crois que vous commencez à savoir que c'est mon préféré. Je n'en trouve pas de similaire. Encore des petits des stickers pour les ongles. Un mini format de l'élixir du marabout de chez Garancia. Un pinceau de chez Wet n Wild. Un pinceau estompeur. Je vous mets une petite trousse princesse de chez Essence. Vous avez eu les pinceaux dedans, mais moi, je n'utilise pas les pochettes comme ça. Un petit chouchou pilou-pilou que j'avais acheté sur Chine. J'ai été obligée d'en prendre pour vous. Les petits patchs bébé Yoda pour les yeux. Donc, il y a trois paires à l'intérieur. Ça, c'est génial. Un mini, un format voyage du Idol de chez Lancôme Mascara. Voilà, le mascara Idol de chez Lancôme. Une petite base Marshmallow de chez NYX. Vous savez que je l'adore. Obligé que je vous mette mon coup de cœur de cette année, la Alchemist Palette de chez KVD, bien évidemment. Et un autre coup de cœur, c'est celui que j'ai mis le plus de temps à acheter parce que celui-là, il ne baissait pas de prix. Mais je vous ai pris le bronzer de chez Nabla en teinte Skin Revanche, je crois. Je sais pas. Ouais, Soft Revanche. C'est celui que moi j'utilise aussi et ça a été aussi une très belle découverte cette année. Et le dernier produit, c'est une palette de chez Révolution. Voilà, c'est celle-ci. Enfin, c'est de chez XX. C'est la Chaméléon. Donc, c'est tous des fards chrome, il me semble. Le packaging est magnifique. Et voilà les teintes. Donc, c'est pailleté, hein, ça, il n'y a pas de doute. Et ils sont très beaux. Voilà pour le lot numéro 1. Donc, je vais ranger tout ça et on passe au lot numéro 2. Alors, pour le lot numéro 2, on va commencer par ce qui est similaire ou plus ou moins similaire.
le parfum Nox, évidemment, le goupillon de chez Révolution, le mini Sopro, enfin pas Sopro, Pierce, de chez Pierce, c'est ce que je dis. Le Wonder Balm, ici, c'est celui à la pêche. Voilà. Les mèches en jaune. Le petit bracelet, et c'est juste une autre paire de boucles d'oreilles. Et là, je vous ai mis des petites ailes d'ange. Voilà. L'huile démaquillante, c'est la même chose. La pince pour les cheveux. Les éponges Révolution. La cire. Attendez, hein, je regarde ce qui est en double ou pas en double. Le rouge à lèvres W7, c'est le même. La houppette, le bronzer. La base Marshmallow. Le baume, le lip balm, le lip mask W7. Le vernis et l'aimant, c'est pareil. Les masques pour les yeux, le chouchou pilou pilou, des water décals, la palette KVD, et ici ça change un tout petit peu, il y a les stickers flammes aussi, et les autres stickers comme ceci, et le mini rouge à lèvres de chez H&M. Les fossiles de chez Boozy Shop, c'est les Amanda. Le mini produit, c'est de chez Révolution, c'est le Dark Spot Corrector. Le goodies, c'est le mascara guard de chez Boozy Shop. La trousse, c'est la Zoeva Rose Gold. Le spoolie. Le mascara, je vous ai mis le I Need a Miracle. Donc, ça compense, vu que l'autre, c'est du Lancôme, mais que c'est un mini. Ici, c'est un full size. Et le produit pour les sourcils, je vous ai mis le duo de poudre du calendrier de l'Avent d'essence de l'année dernière. Chez Rituals, vous avez le Body Scrub. Il est génial. Toujours de la gamme Sakura. Et la palette, c'est toujours une Révolution, c'est celle-ci pour les fêtes. Hop là, donc c'est du nude, hein, mais au moins je sais que ça plaira à tout le monde. Et voilà. Voilà pour le lot numéro 2, c'est à peu près la même chose, mais en étant un peu différent. Voilà, voilà, donc dites, vous pouvez quand même me dire en commentaire, voilà. Le lot qui vous plaît le plus, hein. ça n'engage à rien, en sachant que de toute façon, ils seront envoyés au pif. Donc j'espère vraiment que ça vous plaira, j'ai vraiment essayé de vous mettre des produits que j'adore, comme je fais chaque année, parce que ben voilà, je partage avec vous des produits que j'aime tout au long de l'année, donc j'ai envie de vous faire gagner des produits que j'aime. Je pense qu'ils me représentent plutôt pas mal, il y a les mèches colorées, il y a du bébé Yoda, il y a du Nox, il y a pour les Sopro, voilà, il y a la base Marshmallow, il y a les éponges Nabla et tout ça. Donc, je suis assez fière de ces deux lots. J'espère qu'ils vous plaisent autant que moi, j'ai eu plaisir à les faire. Donc, j'espère que ça vous fera autant plaisir à les recevoir. Voilà, voilà. Donc, j'ai rien d'autre à vous dire. Suivez bien toutes les conditions. De toute façon, tout sera renoté en barre d'infos. Vous avez le formulaire de participation également. On se retrouve dans les autres vidéos avec des petites participations bonus. N'oubliez pas de mettre le petit pouce en l'air, de vous abonner, d'activer la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos pour voir s'il y a des participations bonus ou non. Et en attendant, on se retrouve demain. Et en attendant, moi je vous dis bisous bisous.